Bonjour les chéris. Alors sur Instagram, hier je vous ai lancé une petite vidéo. C'était la veille du rassemblement de Toulouse à Bruyères. Et ça a démarré très chaud, bouillant. C'est pour ça que j'en ai mis une petite partie. Là, je vous montre le lendemain. Voilà, le lendemain, il reste encore que des camping-cars. Là, on est à Grisolles. C'est tout près de Toulouse. Donc, je suis arrivée vers midi et demi hier et c'était déjà très très chaud bouillant, beaucoup de monde et tout. Sur Instagram, il n'y avait pas encore grand monde. Donc, t'oses imaginer l'ambiance qu'il y avait. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller au rassemblement qui va durer tout le week-end, donc 48 heures du côté de Bruyères. J'ai choisi de ne pas y aller aujourd'hui, j'ai préféré rester tranquille, voilà. Donc Christa y est allée, elle est sûrement en train de s'éclater, à s'amuser et tout. Et puis moi j'ai passé une belle matinée avec toutes ces personnes là, que tu vois un peu de loin. Bien sûr je vais pas les filmer par respect. Et puis là je vais me préparer, j'ai nettoyé un peu Coquelicot, les eaux, les machins, et puis je vais partir du côté d'Albi. Et on se rejoint, Chrissa et moi, demain. Je ne sais pas à quelle heure, elle viendra quand elle veut. Ma première vidange, mon premier point d'eau, mon premier traitement de la boîte à caca. Comme une grande, je me suis bien garée en plus en marche arrière et tout. Vous avez vu, hein, mes chéris masculins. J'assurais, hein. Bon, allez, maintenant au boulot. Ça y est, j'ai pris la route en direction d'Albi. J'ai pris la petite route parce que vraiment c'est hyper mignon. J'avais pas envie de prendre l'autoroute. C'est beau, c'est verdoyant. Il fait un peu gris, mais il fait bon, c'est super. De toute façon, je crois qu'en France actuellement il fait gris un peu partout. Peut-être dans le nord, il y a du soleil, je sais pas. Je pensais partir plus tôt et puis finalement. Les camping-caristes qui ne faisaient pas partie du rassemblement de Toulouse sont restés, hein, normal, parce que c'était un grand air de camping-car. Et on s'est réunis le matin, on a bu le café et tout, on a discuté vraiment, mais très très sympathique. Il y a des gens qui viennent un peu partout, j'ai beaucoup aimé, voilà. Au cœur de l'activité de camping-cariste, en prenant le temps. En s'offrant le temps. Et ça, c'est absolument génial, voilà. Ça y est, je suis arrivée à Albi. Voilà, un grand parking gratuit. À côté, un peu de verdure. Voilà, je suis allée me promener. C'est assez mignon, c'est assez calme. Bon, c'est vrai qu'on est le week-end aussi. Hein. Je pense que ça doit être moins calme en semaine. Voilà, un grand parc. Bon, là, c'est divisé en deux. Là-bas, au loin, c'est pour les voitures. De ce côté, c'est pour les camping-cars. Je
Je n'ai même pas lu pourquoi c'était stationnement interdit, là. On doit être bruyant en semaine quand même. Je vois la grosse société, tous les camions. Voilà une belle journée de passé. C'était agréable de discuter avec ces gens, de rire avec ces gens. Ce matin, en buvant un petit café, en mangeant une petite chocolatine et tout, c'était vraiment très mignon. Et le petit voyage parfait aussi. Et là, maintenant que je suis posée, va falloir bosser. Hein. Eh ouais, on ne peut pas oublier le boulot. Même si on est samedi et tout, je m'en fiche des jours et tout. Comme je te l'ai déjà dit, je suis à mon compte, donc boulot, boulot pour maintenant. Mais avec le sourire, parce que vraiment, j'ai passé 2 jours super sympas. Et c'est pas fini, la journée. J'irai marcher encore, je pense, ce soir. Je te fais plein de gros bisous. Les vidéos viennent un peu d'une façon au hasard, mais c'est parce que tout simplement... je sais que Christa a mis un shorty tout à l'heure. Tout simplement, elle est comme moi. Je pense qu'on a envie de partager, de communiquer. Je sais pas si on pourra toujours le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Dans quelques jours, on verra. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une très, très belle fin de journée. À très vite. Bye, bye.